je suis Stéphano, je suis le président d'une organisation humanitaire qui travaille au Burkina Faso da beaucoup de temps. Donc, je connais très bien Ouaga et tous les Burkina. Donc, Jean-Paul, alors, tu peux raconter un peu à les Italiens ce qui s'est passé à Ouaga l'autre fois, le 16 janvier. À Ouaga. Oui, je voudrais bien sûr pouvoir vous raconter ce qui s'est passé également et effectivement en soirée du 16 oui. janvier à Ouagadougou. Oui. Il faut dire que ce jour autour de 19h45, 20h par là, oui. il y a eu bien sûr sur Kwame Nkrumah, c'est une principale voie. Oui. L'avenue principale, l'avenue la plus jolie qu'il y a en centre-ville de Ouagadougou. Oui. Une avenue qui accueille également des restaurants, des plus petits, des hôtels également, des grandes familles. Alors, oui. Yeah. Oui, oui, oui. Justement, sur cette avenue, il y a le restaurant Cappuccino. Oui. Les restaurants italiens, les cafés italiens. Ok, oui, oui, oui. Tout à fait. Et donc, c'est autour de 19h45, 20h, donc c'est un groupe d'assaillants, ce sont oui. des jeunes qui étaient anti-urbanés, ce sont des trois jeunes d'assaillants, donc des Touaregs apparemment, et donc qui ont anti-urbanés, ils ont des visages voilés, donc oui. cette irruption au restaurant Cappuccino, oui. avec armée de Kalachnikov, ah, oh. ils ont... Avant d'apparaître au restaurant, ils ont le véhicule à bord duquel ils roulaient, ils ont tué le chauffeur, ils ont enlevé le corps qui était au milieu de l'avenue Kwame Nkrumah, oui. avant immédiatement d'attaquer le restaurant oui. Cappuccino, où oui. ils ont tiré à bout portant sur tous ceux qui étaient n'est-ce pas sur la terrasse du restaurant Cappuccino, mmh. on commençait surtout par les Occidentaux qu'il y a là-bas. Mmh. Et puis, ils ont également tiré sur tout le monde, disons, tous ceux qui étaient là. Ok. Avec okay. la terrasse, ils sont allés à l'intérieur du restaurant, et puis après, ils ont entendu un peu au restaurant. Donc, ils sont des djihadistes du Mali, c'est comme ça? Il veut quoi? Pourquoi il a fait attaquer Ouaga? Pourquoi il veut quoi de Ouaga? Bien, il faut avouer que les assaillants, donc ces assaillants qui sont venus, on ne sait pas d'où exactement parce que ce sont des Touaregs. Oui. Généralement, des Touaregs, c'est une population qui existe à cheval entre oui. le Mali, le Niger et le Burkina. Okay. Donc c'est très difficile de dire clairement qu'il vient du Mali, du Niger ou bien du Burkina. Okay. C'est une population qui est à cheval entre les trois pays. Et jusque-là, il est difficile d'établir le pays d'origine donc, de ces affaires. Okay. Là, on sait que dans la revendication de l'ARMI, mmh. il a été clairement dit qu'il était contre la politique occidentale, qui, surtout la politique française mmh. au niveau des pays africains. Mmh. Ok, Jean-Paul, excuse-moi, ma c'est des relations entre les djihadistes et Jéjéré pour la politique intérieure à le Burkina Faso ou il n'y a pas de relations? Oui, bien, donc justement, après l'attentat qui est intervenu donc le 16, oui. de plus en plus de gens se disent que, à coup sûr, il doit y avoir une relation entre, bien sûr, le général Guédiré, puis, oui. Bien sûr, ADMI, puis, bien sûr, ces éléments armés. Parce ah. que, en fait, quand le président Blaise Compaoré était encore au pouvoir, mm-hmm. et également quand le général Guédiré, donc, dirigeait l'état-major général donc de la présidente du FASO, il avait des relations particulières avec justement les djihadistes qui étaient dans le nord du Mali. Ah, ok. Et vous avez très certainement, vous avez très certainement relevé que mm-hmm. par le passé, mm-hmm.
générale des guerres arrive à plusieurs fois chercher des gens qui avaient été enlevés dans le nord du Mali. Il est venu les remettre généralement au pays, aux diplomatiques des pays. Il voulait les représenter ici à Ouaga. Il y a eu des Italiens qui avaient été libérés par le général Tigré et Rémi, les autorités italiennes ici à Ouagadougou. Les gens pensent dans une certaine mesure que le général Tigré est en relation étroite avec justement ce djihadiste-là, avec le passé, celui qui libérait les otages de ce djihadiste-là dans le nord du Mali. Comme vous le savez très bien, après son coup d'état manqué et lorsqu'on l'a enfermé, on avait commencé déjà à dire que peut-être, il allait faire intervenir ces djihadistes-là au Burkina. Maintenant, beaucoup pensent que c'est vrai. Peut-être que c'est lui qui a peut-être que c'est lui qui a dû ne pas faire intervenir ces gens qui ont tué 30 personnes sur sa même. Oui, merci. Il est où maintenant? Il est au Burkina ou parce que les personnes ils ne savent pas où est il maintenant, le général Gengeré. Tu connais il est où maintenant? Alors le général Gengeré est actuellement en prison, il est à la maison d'arrêt et de correction des armées. Et puis, parce qu'après son coup d'état raté, il est mis aux arrêts et conduit à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, où il a été rattrapé par plusieurs autres dossiers, notamment le dossier Thomas Sankara et puis le dossier. Oui. Bref, il est actuellement en prison. Actuellement. Donc, derrière à tout cette situation, tu penses que c'est pour l'ancien président, Compaoré, derrière toute l'opération en Burkina? Oui, bon, parce que les gens arrivent à comprendre difficilement que pendant 27 ans, les djihadistes ont suivi un peu partout, au Niger, au Mali. Oui. Allô? Ah, j'en peux, c'est tombé la communication, excuse-moi. Ouais, donc, tu disais quoi? Oui, je disais que justement pendant 27 ans que Blaise Compaoré a dirigé le Burkina Faso, notre pays n'a jamais été attaqué par des djihadistes. Pour la simple raison que d'aucuns pensent que c'est parce qu'il hébergeait des djihadistes à Ouagadougou ici. Oui. Ils étaient dans des villas, ils étaient nourris, logés, véhiculés, ils venaient sans être dérangés. Les gens disaient qu'en retour, ils épargnaient notre pays. Okay. Depuis que Blaise a été chassé du pouvoir, c'est comme si l'entente tacite que ces djihadistes avaient eu avec le pouvoir de Blaise Compaoré s'est tombée à l'eau. On était dans la ligne de mire des djihadistes. Et je pense que, parce que vous savez ce qui s'est passé, ce n'est que, je crois que c'est même la cinquième attaque qui a eu comme ça, parce qu'il y a déjà eu l'enlèvement d'un Roumain dans le nord du pays, suivi d'une attaque de la gendarmerie encore dans le nord. Puis, il y a eu une attaque encore à l'ouest du pays, et une brigade de gendarmerie encore attaquée dans l'ouest du pays. Oui. Il y a eu donc l'enlèvement du docteur Elliot, un Australien, dans le Sahel. Oui. Et puis il y a maintenant l'attaque de Kwame Nkrumah. Ça fait un peu beaucoup, ça fait une demi-dizaine d'attentats sur le territoire burkinabé en moins de 6 mois. Ok. Ça donne à réfléchir. Oui, c'est ça. Parce que Blaise est parti et que maintenant, ses anciens. D'anciens partenaires. C'est ça. C'est ça. Ok. Et la dernière question, Jean-Paul. Pourquoi maintenant les armées françaises et américaines ils sont à Ouaga? Il a des intérêts sur Ouaga ou en Burkina? Il n'a pas des intérêts, ils sont là seulement pour sauvager l'incolumité de la population. Oui, il faut avouer que depuis quelques années déjà, les pays sahéliens, que sont le Mali, le Niger, bien sûr la Mauritanie, ont fait un front commun autour donc, de la lutte contre les djihadistes. Et en cela, l'armée française et l'armée américaine ont décidé d'appuyer les armées de ces différents pays-là pour faire face donc, aux attaques des groupes djihadistes. C'est dans ce cadre donc, que la France a mis en place, a détaché un groupement de spécialistes de l'armée française qui sont basés ici à Ouagadougou, qui travaillent pour aider
l'armée burkinabé ou malienne dans les attaques contre les djihadistes. Oui. Et les Américains en ont fait la même chose, ils ont une base également quelque part ici, une base de quelques centaines d'hommes qui sont là, qui arrivent, qui étaient dans la mesure du possible d'aider également l'armée malienne et l'armée burkinabé à contrer les djihadistes. Donc c'est dit que, bon, c'est vrai, en diplomatie généralement, les gens interviennent quand ils ont des intérêts. Oui, c'est ça. C'est ça tellement qui les amène. Quelque part, la démocratie de Burkina Faso est perdue, est vue aux États-Unis et en France comme un bon modèle de démocratie. Oui. Les Burkinabés ont dit non à la dictature, c'est vrai. À la monarchie. C'est ça. Non, c'est ça. C'est ça. Démocratique de Blaise Compaoré. Oui. Et la France, les États-Unis pensent que c'est une jeune démocratie qui soit appuyée. L'aider à s'installer, pour l'aider à grandir, pour que ça soit un bon exemple pour les autres pays. Jean-Paul, tu crois que au Burkina Faso, maintenant, aujourd'hui, il est encore un pays stratégique en Afrique ou tu penses quoi? Stratégique pour l'Occidental, pour les Occidentaux et pour l'Africain? Oui, tout à fait, parce que le Burkina Faso est perçu dans la diplomatie occidentale comme un exemple, un bon exemple que les pays, d'autres pays africains gagneraient à suivre. Oui. Parce que les populations burkinabées ont montré leur attachement à la démocratie, au changement, aux valeurs essentielles de la société moderne. Oui. Et si bien que les gens trouvent que l'exemple que le Burkina Faso vit est un bon exemple, il peut aider à faire en sorte que les autres pays africains, les autres populations africaines puissent connaître la paix, le développement. Okay. Je pense que peut-être que c'est dans ce sens que les Américains, les Français essaient d'aider les Burkinabés à sortir de la situation de précarité en matière de justice. Ok, ok. Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors, à mon côté, c'est Andrea qui te salue beaucoup. Donc, bon travail.